C'est la bande amorce. Ce qui n'existe plus sur les films. Non, parce que le numérique, c'est comme votre DVD, il n'y a pas d'amorce. Ça, c'est l'amorce de la bobine. Bobine, 57 bobines. Vous êtes prêts? Oui. On va y aller? Oui. À Ouagadougou, au Burkina Faso, tous les deux ans, il y a un grand festival panafricain du cinéma. Avec de nombreux films, réalisateurs, actrices, acteurs, musiciennes et musiciens, caméramans, éclairagistes, photographes, journalistes, spectateurs, spectatrices, pour annoncer ce grand événement, cette très grande fête, les tambours vont tourner. Le début des séances est appelé, signalé, par cette fois des sifflets. Sur les murs près des néons le soir, et autres éclairages, s'agglutinent les mangeurs de moustiques, margouilla, gecko, lézard. De temps en temps, ils poussent des rythmes très particuliers, comme par exemple tidoc, tidoc, toc 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 toc, tidoc, tidoc, toc 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 toc. Et soudain, va apparaître en bronze doré, étincelant, porté à bout de bras, bien haut, la princesse Yenega, trophée attribué au meilleur réalisateur, devant une foule immense. Cette insoumission blessait beaucoup le roi Soleil dans son ambition de grand roi. Aussi convoqua-t-il un jour le Midi Naba, le chef de sa cavalerie. Le Midi Naba vint sans se faire prier et sans se faire attendre, salua les trois soleils du royaume. Et le tout-puissant roi lui ordonna alors, « Va conquérir et soumettre la tribu des Nononsé. » Midi Naba partit sur le champ, alla batailler et guerroyer pendant 12 fois 30 jours, revint vaincu et dépouillé. Annonce finalement que tout est possible. Elle récompense, soigne, se bagarre et retrouve une paix bien méritée. La princesse Yenega ne se décourage pas. Elle est
déterminée. Les grandes chanteuses maliennes ont un bien étrange instrument de musique. Elles le font tournoyer au-dessus de leur tête. C'est le tambour de danse. Bon avec toi. Se peut-il que le prix d'une bonté soit une méchanceté? Cela se peut. Savez-vous qu'il n'est pas comme nous? Laissez-moi vous expliquez pourquoi. Lorsque vous perdez une dent, elle repousse une seule fois. Eh bien, Sieur Caïman, à chaque dent qu'il perd, une nouvelle repousse, comme par magie. Il en a de la chance. Allez, mes sœurs, allez, mes frères, mes cousins, mes cousines et même mes voisins et voisines. Venez manger, il y en a pour tout le monde. Et ainsi, ils partagent un festin collectif dans une totale douceur. Lorsque Sieur Caïman a bien mangé, il a besoin de nettoyer ses dents. Alors, le pluvier, sans risque de connivence, vient, telle une brosse à dents, dans la gueule du crocodilien repu. Et oui, c'est la période où les œufs vont éclore.
soir est venu. Sieur Caïman a froid. Il ouvre la gueule, sa gueule, pour se réchauffer et réguler sa température. Et les grenouilles chantent. S'achève nos cinémas contes musicaux. Bah oui, vous avez vu mon manteau? Oui, oui, oui.